Voilà, gloire au Seigneur. Donc, nous saluons évidemment tous nos frères et sœurs qui nous écoutent actuellement et que vous soyez, sur une île perdue au travers de la terre, ça n'a aucune importance. Le Seigneur connaît votre cœur et nous allons avoir particulièrement de la neige. On va parler de la neige. Nous aussi au Canada, on connaît la neige, ça nous dure assez longtemps, pendant des mois et des mois. On a hâte, on n'a pas hâte de la voir venir, mais on a hâte de la voir partir, voyez. Cependant, dans la Bible, il y a un passage qui nous parle de quelque chose qui est arrivé alors que la neige était en train de tomber. On va lire, si vous voulez bien, dans 2 Samuel, chapitre 23. 2 Samuel, chapitre 23. 1 Samuel, 2 Samuel, chapitre 23. Et nous allons lire un passage, un verset, à partir, le verset 20. Le verset 20. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabseel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa les deux lions de Moab. Et il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Un jour de neige. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Seigneur, nous te demandons de bénir la réflexion de nos cœurs alors que nous allons nous plonger dans les Saintes Écritures et prendre exemple sur les vaillants hommes de David. Nous te demandons que nous aussi nous puissions être des hommes et des femmes de valeur. Dans ces derniers temps dans lesquels nous trouvons, Seigneur, nous te prions de nous aider, Seigneur, parce que les Écritures ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Dans le nom puissant de Christ Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Par un jour de neige, vous avez donc là le passage, un homme qui descend au milieu d'une citerne où déjà il y avait un lion. Il faut évidemment avoir du courage. Il faut avoir de la valeur. Et nous allons voir au travers de l'enseignement ce que le Saint-Esprit a à nous dire au travers de cela. La Bible parle de Benaja. Benaja rempli de valeur. Tiens, déjà là, on est arrêté par un homme qui n'est pas le premier venu, qui n'est pas frivole, léger, mais qui est rempli de valeur. Cela veut dire, et c'est un homme valeureux, c'est un homme vaillant, un courageux, véritablement. Et la Bible l'appelle homme vaillant, célèbre par ses exploits. Il frappa deux lions de Moab et il descendit et frappa un lion dans une citerne, dans une fosse, un jour de neige. Un jour de neige. Alors, vous savez comment ça se passe. Vous regardez votre thermomètre et la température commence à descendre. Le ciel est en train de s'assombrir d'un gris sombre. Le soleil a disparu. De gros nuages sont en train d'annoncer que la neige va tomber. Le vent du nord s'installe, tout semble triste, livide, silencieux. Et voilà que, si vous êtes dehors, les premiers flocons sont en train de tomber. Rapidement, tout est recouvert d'une couche épaisse de neige. Et vous savez ce qui se passe? Tous les bruits environnants sont étouffés lorsque la neige est bien installée et seuls
Quelques corbeaux font entendre leur lugubre croassement. C'est impressionnant lorsque la neige a placé son linceul blanc sur toute la nature. Impressionnant de voir les arbres et tout le relief donc enseveli sous un immense linceul blanc. Le sol est blanc, les buissons, les arbres, les pins, sapins donc sont recouverts de la neige. Tout est enseveli sous un immense linceul blanc. Les haies aussi, je dirais même les arbres, s'il reste quelques feuilles, tout est recouvert. Et là, nous avons donc ce qui s'est passé par un jour de neige. Un jour de neige. Là, dans la Bible, on nous parle que la neige tombait aussi en Israël. Elle tombe encore aujourd'hui en Israël. Et voilà qu'on nous parle d'un personnage, Benaja. Benaja, voyez, donc un homme de valeur, puisque dans ce chapitre, le chapitre donc 23, verset 8, nous dit « Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. » Voici les noms. Et là, il y a une liste, et il y en a un qui attire notre attention aujourd'hui, Benaja, fils de Jéhojada, rempli de valeur et célèbre, ça veut dire renommé par ses exploits. C'est un homme qui a une renommée. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas la renommée, ils cherchent souvent les richesses matérielles. Mais la Bible, qui est la vérité et qui nous vient directement du trône de Dieu céleste, déclare que la renommée vaut plus que de grandes richesses. Ça veut dire un nom de valeur comme Benaja vaut plus que de grandes richesses. Quelle est notre renommée parmi les chrétiens, spécialement? David avait des hommes forts. On nous parle des hommes vaillants, les vaillants hommes de David. Voici les noms des vaillants hommes de David, au verset 8. Et là, donc, on nous parle particulièrement au verset 8 du premier, où il est dit qu'il s'appelait Jochebed-Bashebet, le Tachmonite, l'un des principaux officiers. Qu'est-ce qu'il a fait? Il brandit sa lance sur 800 hommes. My! J'imagine, moi, quand j'étais avec les Gitans à Perpignan dernièrement, il y avait 800 personnes devant moi, et j'imagine cet homme-là, devant 800 personnes avec sa lance, et tchic, tchac, 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 voyez, 800 cadavres à ses pieds. N'est-ce pas un exploit? Voyez, qui en est une douzaine, pas pire, 800. C'est beaucoup, voyez. Et évidemment, donc, c'est un homme qui a eu de la renommée, un renom. Il y a eu un autre homme qui s'appelait Éléazar. Éléazar, au verset 9, il est dit, « Après lui, Éléazar, fils de Dodo. » Mais il ne dormait pas. C'était un vaillant. Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akokik, il était l'un des trois guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre. Tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Qu'est-ce qu'a fait Éléazar? Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là.
Et le peuple est revenu pour faire quoi? Pour s'occuper des dépouilles. Mais qui a été le grand combattant? Éléazar. Quand il a fini le combat, il avait une épée, il a essayé de l'acheter. Mais sa main était crispée sur son épée. Et nous avons là une image merveilleuse et glorieuse, comment le chrétien, dans sa bataille contre les puissances diaboliques, contre sa chair, contre le monde, doit avoir son épée et sa main crispée sur l'épée. Quand il voulut la jeter, ça a pris du temps avant que ses doigts, à cause de l'ardeur du combat dans lequel il s'est trouvé contre les Philistins. Et il dit, l'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. C'est l'Éternel qui a agi. Mais lui a dû faire, évidemment, sa part. Donc, ce sont des grands hommes de Dieu. Il y a eu un autre, Shammah, donc au verset 11, hein, un valeureux. Il dit, les Philistins s'étaient rassemblés à Lechi, et il y avait là une pièce de terre, un champ, rempli de lentilles, prête à être récoltée. Et les Philistins, évidemment, qui n'avaient pas sué, qui n'avaient rien fait, ont vu que la récolte eh bien, était prête et sont venus avec leurs grands chevaux pour chasser les Israélites et prendre la récolte pour eux. Et voilà qu'il y en a un qui a dit, « No way, ça suffit, ils nous l'ont fait plusieurs fois ce coup-là, ce coup-ci c'est fini. Si je dois mourir, je vais mourir, mais avec mes lentilles dans mes poches. » Je vais mourir, je vais attaquer les Philistins. Et la Bible déclare que Shammah, hein, eh bien, alors que les autres fuyaient devant les Philistins, Shammah se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel, encore là, opéra une grande délivrance. Amen. Nous avons un champ de lentilles. Amen. Un grand champ. Hallelujah. Nous avons la parole de Dieu. Et il faut se battre pour cette parole. Il faut absolument, je dirais, prendre les armes offensives et défensives de la justice, hein, de faire comme Shammah qui a dit « ça suffit ». Ça suffit, hein? L'ennemi est assez pénétré à l'intérieur de nos champs. Hein? Nous devrions récolter des âmes, nous devrions aller de l'avant. Le sang de Christ est suffisant et l'ennemi, lui, veut empêcher la récolte. Shammah a dit, je vais me placer au milieu de mon champ. Si je dois mourir, je mourrai, mais je veux en finir avec cette chose-là. Et l'Éternel opéra une grande délivrance et a utilisé Shammah. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Maintenant, la Bible parle, puisqu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Benaïa. Eh bien, Benaïa, il est dit qu'il fut honoré à plus que les 30, mais il n'égala pas les premiers. Ça veut dire qu'il y en a eu 3 autres, dont les 2 seuls sont nommés. C'est Abishaï et Benaja. Ces hommes phares, ces hommes vaillants n'étaient pas les premiers venus. Les gens pensent que parce qu'ils sont sauvés depuis un an ou deux, qu'ils vont accomplir des exploits inimaginables, il y a besoin d'une formation, il y a besoin d'un entraînement, il y a besoin de bien connaître le maniement des armes, bien connaître notre épée, bien connaître la parole de Dieu. C'est cela qui est le plus important. La parole, les Béréens vérifiaient dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait et on leur enseignait était exact. Mais comme aujourd'hui les chrétiens, ce n'est pas ça qui les intéresse, la Bible, voyez, alors on peut leur faire avaler n'importe quoi, tout cela, au nom de Jésus, au nom du christianisme. Alors il faut bien connaître la parole du Seigneur pour ne pas se faire berner actuellement par quelqu'un de très intelligent, de très rusé, pour nous éloigner du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, on voit que cet homme, Benaja, n'était pas un premier venu, et il a été choisi par David plus tard, à cause, évidemment, de sa valeur. Avant de faire partie de cette élite, l'élite de David, les hommes vaillants de David, il fallait absolument se distinguer par sa bravoure, par son héroïsme, par son esprit de dévouement, par son esprit d'abnégation. Hallelujah. Ces gens-là, pour entrer dans le conseil secret de David, c'était des hommes solides, des hommes vaillants,
des hommes fidèles qui avaient prouvé, qui avaient démontré par des actes de vaillance, de bravoure, d'héroïsme, qu'ils étaient à la hauteur de la tâche. Alléluia. Des gens, comme la Bible dit, qui n'étaient pas animés du même esprit que tout le monde. Dieu a choisi simplement deux hommes, Caleb et Josué, qui ont été animés d'un autre esprit. Les autres ont dit, oh non, on ne pourra pas entrer dans la terre promise, vous connaissez l'histoire. Voyez, la Bible dit, parce que mon serviteur Caleb et mon serviteur Josué ont été animés d'un autre esprit, eux, ils vont entrer. Et aujourd'hui, on a besoin d'être animés, pas d'un esprit de frivolité, de légèreté, voyez, mais d'un esprit, je dirais, de sagesse et de faire des exploits pour la gloire du Seigneur. Pour entrer dans le conseil secret de David, il fallait atteindre. Il fallait arriver à un certain niveau. Et il n'y avait pas de favoritisme. Tous ces gens-là que nous voyons dans 2 Samuel 23, c'est tous des gens de bravoure, des gens qui se sont démontrés fidèles dans la bataille, courageux, au risque de leur vie. Alléluia. Et donc, on voit particulièrement qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de favoritisme. Dieu n'a pas des gens dans sa manche, voyez, absolument pas. Avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme, et c'est l'apôtre Pierre qui a parlé de cela, particulièrement lorsqu'il était dans la maison de Corneille, dans sa prédication, il a commencé en disant que, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu ne fait pas des exceptions. Il ne fait pas de favoritisme. Voyez. Donc, il voit exactement la chose telle qu'elle est. Et dans Deutéronome, au chapitre 10, eh bien, la même chose, la même pensée nous revient. Qu'est-il écrit dans Deutéronome chapitre 10? Eh bien, il est dit au verset 17, « L'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait pas exception de personne et qui ne reçoit pas de cadeaux. » Ne reçoit pas de présents pour essayer de lui graisser la patte, voyez. Les hommes sont habitués à graisser la patte à des, hein, dans le monde pour avoir des contrats, pour ceci et cela, vous voyez, pas avec Dieu. Vous ne pourrez jamais graisser la patte du Seigneur. Hein. Le Seigneur ne fait pas exception de personne et ne reçoit pas de présent. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et il lui donne de la nourriture et des vêtements à l'étranger. Et Dieu de dire, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui. Amen. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui, amen, qui fait ces choses grandes au milieu de toi. Donc, on a cela dans la parole du Seigneur. David ne faisait pas non plus d'exception. Pour entrer dans son service, je dirais, il fallait accomplir des choses de renom. La Bible déclare que Benaja eut un nom parmi les trois hommes forts. Ça veut dire qu'il eut un renom. La renommée est très importante. Les gens, quand ils disent notre nom, qu'est-ce qui vient à leur esprit? Par quoi sommes-nous, je dirais, qualifiés? Par quoi sommes-nous renommés? Est-ce par notre fidélité à Dieu? Est-ce par notre sainteté? Est-ce par notre vaillance? Par notre persévérance, et ainsi de suite. Par quelle vertu sommes-nous renommés? Et c'est l'apôtre Paul aux Éphésiens qui va déclarer en disant d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez pas part, ça veut dire ne participez d'aucune façon, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez aucune part aux œuvres des ténèbres qui ne portent aucun fruit, ça veut dire qu'ils sont stériles, hein, inutiles. Hein. Donc, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Oh, il ne faut pas condamner aujourd'hui, pasteur, il ne faut pas juger. Ouais, maman, je juge. Jésus a dit, jugez selon la justice.
Nous pouvons juger comme chrétiens selon ce livre. Et nous devons le faire. La Bible dit « Condamnez-les, les œuvres des ténèbres ». C'est bien écrit. Voyez. Donc, on a besoin de bien connaître les Écritures, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Donc, nous avons la parole du Seigneur. Examinez. Examinez. Voyez. Benaja n'était pas le premier venu, et par un jour de neige, il a accompli une action magnifique, je dirais, d'éclat. La Bible dit qu'à la fin des temps, dans Daniel, par rapport aux prophéties, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ceux qui connaîtront leur Dieu, il y a une relation, je dirais, directe entre connaître Dieu personnellement et intimement et les exploits que nous pouvons faire. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Nous chantons dans l'Église, avec Dieu nous ferons des exploits. Un exploit, c'est un exploit. C'est quelque chose qui n'est pas, je dirais, fait par n'importe qui. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Donc là, l'exploit est relié à la foi. Tout est possible à celui, à celle qui croit. Et la foi, d'où vient-elle? La foi vient. Elle vient, elle arrive, elle s'en vient. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hallelujah. J'ai besoin, dans la réunion où je vais, d'entendre la parole de Dieu prêchée sous l'onction du Saint-Esprit. C'est cette parole qui m'apporte la vie, le conseil, la force, le courage. Hallelujah. Et là, évidemment, que veut dire le nom? Puisqu'il s'appelle Benaja. Benaja. Benaja, ça vient de Ben. Ben, fils de. Ben, Aya. Yahweh. Jéhovah. C'est fils de l'Éternel. Quel beau nom. Peut-être si vous avez un fils bientôt, hein, vous pourrez l'appeler Benaja. Benaja. Benaja veut dire fils de l'Éternel. Alléluia. Et on voit donc particulièrement que son père aussi, son père était un homme vaillant. Hein, il est fils de Jéhojada, donc, qui était sacrificateur fidèle à David au travers de ses épreuves. J'aimerais en parenthèse vous dire aujourd'hui que les dons que Dieu nous donne, les talents, la piété, les vertus, voyez, eh bien, ne sont pas héréditaires. Ça ne coule pas dans les veines de père à fils ou de mère à fille. Ces valeurs-là, elles nous sont données pour nous et nous devons, je dirais, les utiliser pour le Seigneur. Il y a un grand privilège, cependant, d'être élevé par des parents qui vivent eux-mêmes sous le regard de Dieu et à la lumière des Saintes Écritures. C'est un grand privilège. Par exemple, l'apôtre Paul a écrit à Timothée en lui parlant de sa mère et aussi de sa grand-mère. Et Paul va rappeler en disant, « Eh bien, Timothée, je me rappelle la foi sincère qui est en toi. » Pourquoi sincère? Parce qu'une foi peut ne pas être sincère. Donc il dit, la foi sincère qui est en toi, hein, a habité d'abord, auparavant, dans ta grand-mère, dans ton aïeul, Loïs, et aussi dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Mais Timothée a dû faire lui-même sa, je dirais, sa prière de repentance. Il a dû un jour, lui aussi, accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Même si sa grand-mère, même si sa mère était déjà dans le camp de Dieu, lui, il a dû aussi
donc faire son expérience. On peut avoir été élevé dans une famille chrétienne, mais ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Hein. Je parlais tout à l'heure à un couple et je leur disais, est-ce que vous êtes passé par la nouvelle naissance ? Par la nouvelle naissance. On peut être religieux, on peut lire la Bible, on peut voir la Bible sous le main, on peut chanter des cantiques, ça ne veut rien dire. Avec tout ça, vous pouvez aller quand même aller en enfer. Donc, il faut avoir la nouvelle naissance. Jésus dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer. Ça veut dire qu'il n'a pas de pouvoir pour entrer au ciel. S'il n'est pas né de nouveau, donc j'ai besoin de bien m'appliquer, savoir c'est quoi vraiment naître de nouveau. Naître de nouveau. Ouais. Jésus a dit cela à qui? Il a dit à un homme d'un certain âge, je peux l'imaginer déjà avec les cheveux blancs, la barbe blanche, il s'appelait Nicodème, un homme religieux qui n'était pas sauvé. Jésus lui a dit, ta religion ne te sauvera pas, tu es perdu. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le ciel. Es-tu né de nouveau? As-tu véritablement passé par la croix? As-tu plié? Est-ce que ton cœur a été brisé? As-tu pleuré sur tes péchés devant le Seigneur? Et là, on voit particulièrement donc Benaja, ce fils de l'Éternel, eh bien, même si dans sa famille, il y avait son père était sacrificateur, lui aussi, il a dû passer par son expérience personnelle avec le Seigneur. On sait que l'exemple de parents, quelque chose de merveilleux, donc d'être élevé dans, et d'avoir des enfants qui donc ont l'exemple sous les yeux de parents chrétiens qui vont aux réunions où la Bible est honorée, où, je dirais, devant certaines émissions de télévision, les parents disent « Regarde ça, il y a des commentaires, il faut faire des commentaires et pas laisser passer tout ça devant nos enfants qui pensent que peut-être on croit à tout ce qui est en train d'être dit à la télévision. » C'est merveilleux de pouvoir avoir cette agressivité, ce discernement pour repousser donc l'erreur, repousser donc ce que les païens veulent et voudraient nous enseigner. L'exemple d'un père sage, l'exemple d'une mère sobre, l'exemple de parents graves, c'est quelque chose de merveilleux et quelque chose que l'on conserve dans le cœur. Amen. Et ça a beaucoup plus de valeur que beaucoup de paroles. L'exemple de vos parents vous reste dans votre tête. Vous l'avez encore aujourd'hui. Même si vous avez 80 ans, ça reste là. C'est là. Et je bénis le Seigneur pour mes parents. J'ai de très bons parents. Et je glorifie le Seigneur encore aujourd'hui pour cela. Même s'ils sont morts. Tous les deux sont dans l'au-delà. Mais je remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour les bons parents que tu m'as accordés. Alléluia. Et là donc particulièrement, le temps est venu où Benaja s'est distingué lui-même par son courage, par sa vaillance. Donc, la neige commence à tomber et Benaja est en pleine campagne. Il marche et là, alors qu'il est en train de marcher, là, il entend donc le son aigre de ses pas crissent sur la neige qui vient d'être tombée fraîchement et il entend un rugissement. Par un jour de neige, tous les bruits, on entend, vous voyez, on entend tout, vous voyez. Et là, il entend cela, hein. Et donc, il s'avance en direction du bruit qu'il entend. Et là, donc, l'ouverture de la citerne devait être caché par des branchages ou de la broussaille, tout ça. Tout est recouvert de neige. Et voilà que, en s'avançant, Benaja entend du bruit au fond de la citerne. Là, le roi des déserts, un lion est en train de sauter et de bondir contre les parois de cette citerne dans laquelle il vient de tomber. Les broussailles ont caché l'ouverture, le lion n'y a pas vu, il est tombé au fond du puits ou de la citerne. Tout était recouvert de neige. Et le félin a l'œil en feu, il est enragé, il vient de perdre sa liberté
et il essaye donc de sauter le plus haut possible contre les parois de cette citerne, donc, et ses efforts pour essayer de s'échapper ne servent à rien. Il retombe au fond de cette citerne. Il bondit et il retombe. Il retombe dans le fond. Ses griffes sont en train de labourer littéralement, désespérément, les parois abruptes de cette citerne. Il a la rage dans le cœur. La bête féroce est enragée et sa rage est en train d'augmenter. Quand vous allez au zoo et que vous êtes devant le grillage d'un félin, vous voyez, vous approchez pas trop, vous voyez, parce que dès qu'il fait « mes amis, vous sautez, je dirais, 3 mètres en arrière. Voyez, c'est... Imaginez, lui, Benaja, par un jour de neige, il entend cette bataille qui se passe là maintenant au fond du puits. Et là, voilà qu'il va se passer un exploit totalement gratuit. Benaja n'a pas besoin de descendre au fond du puits. Il n'y a personne qui est là. Personne ne regarde. Il entend seulement, il voit la situation, voyez. Mais cet exploit gratuit va être récompensé. Ce jour-là, Benaja donc a inscrit à son palmarès un merveilleux exploit. Peut-être que la neige continuait à tomber, le froid était vif et piquant, et cette journée-là, Benaja aurait pu rester chez lui. Il aurait pu rester chez lui. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Eh bien, vous connaissez bien l'analogie, Satan, c'est le lion rugissant. Il est enragé. Il sait qu'il va en enfer. Il sait qu'il est perdu. Il connaît toute la Bible. Il a cité des passages à tort et à travers à Jésus-Christ. Il a une intelligence inimaginable. Des siècles durant, il a essayé de travailler pour détruire, détruire, détruire. Comment pouvons-nous vaincre ce lion? La Bible dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. » Le seul moyen, c'est de résister. De résister. On peut lui résister. On peut s'opposer, mais comment puis-je m'opposer? Il y a une condition. Soumets-toi à Dieu. Tu ne pourras jamais gagner contre Satan si tu es insoumis à Dieu dans un certain point. Impossible. Et Satan le sait. C'est comme si tu arrivais devant l'ennemi avec tes fusils, vous voyez, comme dans le Western, vous voyez, puis il y a clic, 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 il n'y a rien qui sort. Vous voyez, vous n'êtes pas armé. Il n'y a pas de balles, il n'y a pas de poudre. Vous voyez. Donc, on voit la situation. Personne n'obligeait Benaja à mettre sa vie en péril en se mesurant avec cet adversaire au paroxysme de l'irritation, la rage de ce lion au fond du puits. La Bible enseigne en disant « Malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Il sait. Il sait que pour lui, sa fin est proche. Et à la fin, il sera jeté dans le lac de feu avec l'Antichrist. Et donc, Benaja, cette journée de neige, s'est approché. Il s'est approché et le lion a continué à rugir. Imaginez, il a enjambé le rebord de la citerne, qui n'était peut-être pas très haut, et il est descendu dans le fond. Aïe, vous dites, aïe, est-ce possible? Il est descendu là, face au fauve, en furie.
il est descendu. Le lion a bondi de l'autre côté, donc à l'extrémité de sa prison, de cette citerne, avec un grognement formidable. Benaja est là. Et quand il est descendu, Benaja a dit, « Je vais t'avoir. » Il était décidé. Benaja n'est pas descendu dans le puits en disant, « Oh, peut-être que je vais mourir. » Non, jamais de la vie. Il est descendu avec la victoire dans son cœur. « Mon lion tombé par un jour de neige au fond de cette éternité, tu vas mourir là, tu ne sortiras plus de là. » C'est avec cette détermination que Benaja est dans le puits maintenant. Qui va être le vainqueur? Malheur ou vaincu? Qui entre les deux va être le vainqueur? Benaja s'élance sur le lion, paf! Coup mortel. Quelques soubresauts de la bête féroce et flouc. C'est fini. Alléluia! Vous dites, aussi simple que ça? Dieu était dans l'affaire. C'est un miracle. C'est un exploit. C'est un exploit. Oui. Seigneur, un jour, a rencontré un homme et lui a dit, si tu agis bien, tu vas relever la tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Entre parenthèses, comme un lion, prêt à bondir sur toi. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Mais toi, Caïn, domine sur lui. Qu'est-il arrivé? Caïn a été dominé. Dans la bataille contre le lion, je dirais féroce, de la jalousie, il a été vaincu. C'est le lion qui l'a eu. Caïn, nous dit la Bible dans le Nouveau Testament, appartenait au diable. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Toi, domine sur lui. C'est un avertissement de la part du Seigneur. Et plus tard, après avoir été averti, il a rencontré son frère, a pris un caillou, paf, 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 et a tué son frère. Premier crime de l'humanité. Benaja s'est élancé sur le lion. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Pas par nous-mêmes. Quand David a fait face à Goliath, il n'a pas regardé à lui-même. Il a regardé à celui qui était plus grand que Goliath. Domine sur lui. Domine sur lui. Et le Saint-Esprit a conservé ce rapport dans les Écritures pour nous le rappeler aujourd'hui. Il est dit que David, après avoir appris cet exploit merveilleux par un jour de neige, a admis Benaja dans son conseil secret. Après un tel exploit, il a été récompensé. Il n'avait pas eu besoin de le faire, il n'aurait pas été obligé, mais en apprenant l'exploit de Benaja se battant contre un lion, David a admis Benaja dans son conseil secret, admis dans la présence de David, dans ses audiences privées. Alléluia. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous appelle plus serviteur, esclave, doulos, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître mon conseil. Bats-toi, mon frère, bats-toi, ma sœur, contre l'ennemi cette semaine. Résiste, Haruya. Es-tu dans une citerne avec un lion devant toi? Vas-y, tu vas l'avoir. Benaja l'a eu.
Avec le Seigneur, tout est possible. Tout est réalisable avec notre Dieu. Nous avons chanté que le Seigneur est souverain. Que veut dire la souveraineté? Cela veut dire qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Il est souverain. Souverain. Lisez avec moi quelques passages, psaume 25 et le verset 14. Psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment. Mais, vous l'avez appris, ça enfonçait le clou. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Cette expression traduite par second, l'amitié de l'Éternel, dans la King James, c'est le secret de Dieu. Le secret de Dieu est pour ceux qui le craignent. Heureux la personne que tu admets en ta présence, Seigneur. C'est écrit là aussi, on va le lire, c'est merveilleux, être admis dans la présence de Dieu. Psaume 65, verset 5. Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Être admis dans la présence de Dieu, c'est merveilleux. Nous, Église de Dieu, nous sommes admis en passant par la porte, la croix. Nous sommes admis dans la présence du Seigneur, comme Benaja a été admis dans le conseil de David. Merci Seigneur. Vous savez, le Seigneur a des secrets. Il ne les révèle qu'à ceux qui le craignent, à ses vaillants, à ses hommes et ses femmes de valeur. Par exemple, Marie, toutes les choses qu'elle entendait par Gabriel, par ici et là, elle les gardait dans son cœur. Est-ce que Dieu vous a déjà donné des secrets? Mais hélas, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez été en parler tout de suite? Vous n'avez pas gardé ça, c'était pour vous. Et toute la province, le monde entier est au courant. Jamais de la vie, c'était pour vous. Faites comme Marie. Marie gardait et repassait ces choses dans son cœur. Heureuse celui qui croit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. Attends le Seigneur. La prophétie est en cours de route, elle s'en vient. Si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Certainement, c'est certain. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Notre Benaja, nous, c'est qui? C'est Jésus, le Fils de Dieu, Ben Aya, le Fils de Dieu. C'est lui qui est descendu dans la fosse de la terre, la fosse de Golgotha, la fosse de Gethsémané. Il est descendu, il s'est battu, il a fait face à l'ennemi. Dans l'Ancien Testament, il y a trois hommes qui se sont battus contre le lion. Ils sont des types, des symboles de Christ. Samson, le premier, s'est battu contre un lion sans avoir rien à la main. Rien dans la main. Voyez, il déchira le lion par l'Esprit de Dieu qui était en lui. Tchac! Le deuxième, c'est David. Quand un lion ou un ours venait enlever l'une de mes brebis du troupeau, je courais après lui. Il ne s'enfuit pas. Il court après le lion, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Merci Seigneur. C'est le deuxième, David. Et le troisième, c'est Benaya.
Benaïa. Dans le Nouveau Testament, il y en a un seul qui s'est battu contre le lion. Et il s'appelle le Fils de l'Éternel. Le Benaïa, avec un B majuscule. Hallelujah. Jésus ne craignez pas du tout le lion rugissant. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il veut te dévorer. Jésus, dans le désert, a fait face au lion. Trois tentations. Jésus a dégainé, a sorti l'épée, il est écrit. Et quand le diable, en fin de course, en fin d'argument, a dit « Oui, mais il est écrit !» Jésus a dit « Il est aussi écrit cela !» Et les chrétiens ont besoin aujourd'hui, dans le monde d'apostasie dans lequel nous sommes, de sortir l'épée quand quelqu'un, un faux prophète, qu'on soit, me dit « C'est écrit ça !» Oui, mais il est aussi écrit cela. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'étudier la parole de Dieu. Et quand vous étudiez la parole de Dieu, il n'y a pas de feeling, de sentiment, vous ne dansez pas, vous ne sautez pas. C'est apprendre dans la parole de Dieu ce qui est écrit. Et c'est ce qui manque à l'Église aujourd'hui. Nous voulons des feelings, nous voulons nos poils qui se dressent tout le temps sur nos petits bras, ainsi de suite. Oui, tant mieux si ça arrive, mais si vous cherchez cela continuellement, vous êtes déjà en train de dévier. Il faut chercher à comprendre Dieu, c'est par la foi. Parce que le jour où il n'y aura plus de feeling, plus de sentiments, vous allez débarquer, vous allez dire, où est Dieu? Mais il a toujours été là, il est là. Parce qu'on doit marcher par la foi. Par la foi. Jusqu'à la fin. Dans le Nouveau Testament, Jésus à Gethsémané est descendu dans la fosse, dans le silence de la nuit. Il a combattu. Regardez-le là-bas au fond du jardin, cette forme humaine, en train de crier, en train de supplier. Père, si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et il suait des grumeaux de sang. Il s'est battu contre le lion du péché, mon péché. Regardez-le sur la croix cloué. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était pris, lui, le Dieu incarné, le Dieu d'éternité, le Dieu de l'univers, le Dieu qui avait lancé les galaxies. Là, il était dans la fosse de mon péché et du tien. En train de se battre, en train de lutter et de combattre pour me sauver. À lui soit toute la gloire. Ne serais-je pas reconnaissant? Ne serais-je pas reconnaissant? Ah, moi, le lépreux, il m'a guéri. Je veux revenir vers lui. Je veux lui être reconnaissant. C'est lui. Je ne cherche pas à avoir du succès si bas sur la terre, à avoir de l'argent plein les poches. So what? C'est ça qui m'intéresse. C'est Jésus qui m'intéresse. C'est Jésus, 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 Jésus. Amen. Êtes-vous capable de dire Jésus? Amen. Jésus. Ensemble, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On va maintenant baisser nos têtes. On va prier le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Levons-nous devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons te glorifier, te bénir pour ta personne glorieuse. Tu es notre Benaïa, Seigneur. Tu es venu sur la planète Terre. Tu es descendu dans la fosse, Seigneur. Tu as lutté contre le lion et tu lui as écrasé la tête. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, pour ta grande victoire à Golgotha, Seigneur. Ils t'ont mis dans un tombeau, Seigneur. Tu n'as pas besoin de payer pour un tombeau, pour simplement quelques instants. Seigneur, tu as vaincu et tu es sorti vivant du tombeau. La pierre a été roulée, Seigneur, ton corps de ressuscité et les prémices, Seigneur, vers lesquelles nous allons nous aussi. La résurrection, alléluia, à toi soit toute la gloire. Nous te glorifions et te bénissons du bas de la terre. Aide-nous à prendre exemple sur toi, à combattre le péché, à combattre Satan, à combattre l'esprit du monde, dans le nom puissant de notre Benaïa, Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Et tout le peuple dit... Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni.